oubliez le rectangle bleu. Voici la baignade naturelle. Les piscines biologiques, ou comme ici les bassins de baignade, s'intègrent au mieux dans un jardin paysager. Déjà, il faut être un passionné d'eau. Avoir dans sa jeunesse gansouillé dans des petits bassins, dans des mares dans la campagne limousine. Hein. Avant, on se baignait, c'était le seul endroit où on pouvait se baigner. Donc c'est un prolongement de ce plaisir. C'était le meilleur compromis qui pouvait y avoir. Tout est naturel. Pour preuve, c'est que le bassin n'était pas installé de 48 heures, qu'il y avait déjà des grenouilles qui étaient là. Elles sont venues toutes seules. Hein. Je ne suis pas passé dans une grande jardinerie. Car la différence avec les piscines enterrées traditionnelles réside dans le mode de filtration. Plusieurs systèmes existent. L'installation ici est mécanique pour détruire les matières organiques en suspension, complétée par un stérilisateur à UV. Il y aura le même entretien sur une piscine que sur une piscine classique, sauf qu'on ne mettra pas de chlore, on ne mettra pas de sel, on mettra très peu de produits, hormis des produits biologiques. La démarche, oui, vient beaucoup de personnes qui sont tournées vers la nature, vers des choses écologiques, avec le moins de produits possible. C'est vraiment là, on le voit là dans le jardin, il n'y a pas de désherbant. Cet autre système fait lui reposer la filtration exclusivement sur le travail de plantes aquatiques, doublé d'un bassin de régénération rempli de fragments de roches. C'est l'option choisie qui fera la différence de prix, de 3 jusqu'à 6 fois plus élevée qu'une installation classique.